has come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here come the rain again, falling from the stars, drenching my pain again, becoming who we are. Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music pour vous présenter aujourd'hui du Green Day. Voilà. C'est pas la chanson la plus représentative du style punk rock, mais je l'ai trouvée quand même assez jolie. On me l'avait réclamé en plus plusieurs fois, donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc comme ça faisait 2 semaines que j'avais rien mis en ligne, voilà, ce morceau-là m'a bien botté. Vous aurez peut-être une petite compagnie, à savoir des coups de marteau, des coups de perceuse, parce que les voisins font encore des travaux à côté. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pas pu mettre en boîte quoi que ce soit depuis, voilà, quasi même plus que 15 jours. Donc en tous les cas, me revoici, me revoilà. Pour la petite touche discographique de ce morceau, c'est sorti sur le 7e album de Green Day qui s'appelle American Idiot en 2004. Voilà, et il me semble que cette chanson parle du père de Billy Joe Armstrong, là, le chanteur et guitariste. Donc c'est une chanson un peu nostalgique et tout ça, je trouve que ça passe bien, voilà. Voilà, en ce qui concerne mon auto-promo, vous pouvez aller visiter bien entendu galagomusic.com. Vous trouverez dans la section cours gratuits tous les cours de YouTube que j'ai mis en ligne depuis quasi 2 ans. Et classés par ordre de difficulté. Donc vous devriez trouver chaussures à votre pied, je pense. Vous pouvez également passer par le Galagoton, qui est juste en haut à droite de la section cours gratuits. C'est un petit système PayPal qui permet de filer quelques euros si vous avez envie. Parce qu'il faudrait que je me rachète un petit peu de matériel, une nouvelle caméra, par exemple, un looper également. Très bientôt, je vais vous montrer comment utiliser cette petite boîte qui coûte un petit peu cher, mais bon, c'est quand même bien utile. C'est-à-dire que vous enregistrez un truc, un accord, machin, vous appuyez une fois sur la pédale, vous réappuyez une deuxième fois sur la pédale, et ce que vous avez enregistré va sortir en boucle. Donc du coup, comme j'ai pas trop le recul nécessaire dans la pièce pour avoir 2 personnes, eh ben voilà, j'aurai un ami qui tient dans une petite boîte en ferraille. Voilà, bon, ben je vous propose d'attaquer direct, et puis voilà, vous allez voir, c'est pas super compliqué. Alors donc, pour la position de départ, vous allez placer l'index en 3e case de la corde de Si, voilà, et l'annulaire en 5e case de la corde de Ré. Alors, ce qu'on va essayer de choper, c'est cette corde-là sur laquelle on appuie, la corde d'après qui est à vide. Donc celle-là, il faut faire attention à bien la laisser sonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un petit bout de ce doigt-là ou un bout de l'index qui vienne la frôler, parce que sinon ça va vous donner un son un peu indien, comme ça, comme un sitar. Voilà, ou alors ça va carrément ploquer, ça va pas être joli du tout. Donc il faut bien attaquer perpendiculaire, vous placez bien le pouce derrière, tac, comme ça vous êtes sûr d'avoir une attaque. Si vous avez une position de main comme ça, c'est que c'est bon signe, comme pour les barrés. On va en trouver 2 dans le morceau, je vous montrerai justement encore une fois les petites techniques pour y arriver. Et bref, donc, ça doit donner ça. D'accord, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. C'est la position numéro 1. La position numéro 2, vous descendez ce doigt-là, en 4e case, sur la corde de Sol, toujours. Et vous grattez pareil. Vous vérifiez pour l'instant que tout sonne bien. Après, on verra justement comment on enchaîne tout ça. La 3e position. Cette note-là va rester, celle qui est en 3e case du Si, mais on va changer le doigté, on va mettre l'annulaire à la place, parce qu'on va avoir besoin de l'index, en 2e case de la corde de Sol, encore une fois. Trop cool, hein? Et ensuite, vous enlevez carrément l'index. Alors, ce que vous entendez à côté, ce sont des travaux. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai droit à des concertos en 6 sauteuses et tout, je commence à en avoir marre. C'est aussi pour ça que j'avais rien uploadé. Mais bon, je me dis, voilà, au bout d'un moment, il faut quand même y aller. Donc, dernière position sans l'index. 6 sauteuses. Alors, on recommence l'histoire. Les 4 positions. 2e position. 3e position. Et dernière, 4e position. Voilà. J'essaie de me caler sur le rythme, voilà, qu'ils peuvent faire. De temps en temps, c'est des coups de marteau, ça dépend, c'est assez varié. Une fois que vous êtes sorti de ça, on va avoir un accord de Do majeur. Donc le Do majeur, hein, tranquillou. L'annulaire à la 3e case de la corde de La, 2e case de la corde de Ré. Et l'index en 1ère case de la corde de Si.
Voilà. Vous essayez pareil de bien attaquer perpendiculaire. Ça, c'est pour ceux qui commencent. Hein. Si vous connaissez déjà, évidemment, bah, tant mieux. Autrement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, faites attention à ce que l'index ne bloque pas le petit mi, parce qu'on va avoir besoin de cette note-là ensuite dans l'arpège qu'on va faire. Do majeur, et après Do mineur. Le barré en troisième case. Pour les barrés, c'est comme d'hab, vous vous placez bien juste avant la frette. La frette, c'est la barre en fer. La frette qui va vers la quatrième case. Si vous êtes ici, vous allez avoir beaucoup plus de mal que là. Le pouce, bien derrière en mode pince, toujours, hein, le pince croco qui fait coin, coin. Voilà, c'est très étrange, je sais. Tac, et avec les trois doigts restants, vous formez une position d'un accord de la mineure. Vous voyez, la mineure, ce serait comme ça. Tac, je change le doigté, je grimpe ma position de la mineure. On peut le penser comme ça. Si vous avez du mal avec les barrés, vous le bossez des deux façons. D'abord, barré et les trois doigts. Et ensuite, une fois que vous commencez à bien gérer ça, vous commencez d'abord par les trois doigts. Et ensuite, vous loquez avec le barré. Quand vous aurez bossé les deux façons de faire, les quatre doigts arriveront ensemble, quoi. Ensuite, on va trouver un accord de sol majeur super light. On va le faire juste à deux doigts, comme ça. Tac. Ou alors, vous placez carrément le sol complet. Hein. Alors, on va éviter par contre cette position-là. On n'a pas besoin de cette note-là. Par contre, on a besoin de cette note-là. Donc, si vous utilisez ce doigté-ci, placez le petit doigt en troisième case de la corde de si. Moi, je le fais comme ça. Vous prenez ce qui vous arrange. Sur cette position, la corde de la est bloquée, c'est normal. Et il faudrait bloquer le petit mi également. Voilà, en bougeant un petit peu la main. Si la main elle est perpendiculaire, tout sonne. Si la main elle est un petit peu sur le côté, ça bloque les cordes qu'on veut pas. Qu'est-ce qui nous resterait? Un accord de mi mineur, tranquillou. Après un accord de si mineur. Donc c'est comme le do, mais une case à gauche. Ah, c'était pas beau. Clac, 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 et puis un accord de ré. Voilà. On trouvera également des positions de power chord dont je vous parlerai quand on fera la partie électrique. Voilà, bah maintenant on va essayer de mettre tout ça en place. Alors pour la mise en place, j'ai découpé ce morceau en trois parties. Enfin, il se découpe de toute façon tout seul en trois parties. Partie A, B, C, avec des petites variantes sur le B et sur le C, qu'on appellera B prime et C prime. Voilà. C'est à peu près tout ce qui me reste d'ailleurs des cours de maths. Hein. Donc voilà, ça aura servi à ça. Donc l'intro, que j'appelle A, on va trouver notre première position, cinquième case ici, et troisième case de la corde de si. Et à la main droite, on va gratter comme ça. Avec le médiator, je fais bas, bas, haut. L'avantage du haut, c'est que la main elle est déjà réarmée pour attaquer derrière. Parce que la mesure complète, elle fait ça. D'accord, ça c'est une mesure. Cette position-là, dans l'intro, dans la partie A, on l'a 4 fois d'affilée. De faire des « et » ou des trucs comme ça, c'est qu'on est sûr que la note qui est longue va durer vraiment son... va durer sa durée, quoi. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut remplacer ce 4 par ce que vous voulez. N'importe quelle syllabe, n'importe quel mot fera l'affaire. Chouette. C'est n'importe quoi. Rac. D'accord, le tout c'est de bien sentir cette respiration. Voilà, donc ça c'était le A. La partie B, quand il commence à chanter, il recommence une mesure avec cette position. Après il va sur la suivante, là en quatrième case. Après direct, celle qui fait comme ça, avec la substitution de doigté. Donc,
Ça déjà, vous le tournez en boucle un petit peu, parce que ça fait plaisir déjà. Et puis, puis après, vous attaquerez le reste. Je le refais une fois avant de vous montrer ce qui suit. Donc, je suis sur le B, hein, donc il n'y a qu'une seule mesure de la première position. Après, on va attaquer Do majeur. Donc pour l'arpège de Do majeur, vous allez gratter la corde de La, la corde de Ré. Et en retour, avec le médiator, vous allez choper le petit Mi et le Si. On va éviter de faire sonner le Sol. On pourrait, hein, c'est les notes de l'accord. Mais dans le morceau, on entend vraiment... Ah non, excusez-moi, je me suis planté. C'est la corde de La, la corde de Sol, justement, et les deux aigus. Autant pour moi, donc... Encore une fois ça. Après une position de Do mineur, là on va gratter les quatre cordes intérieures. On va faire la corde de La, la corde de Ré, la corde de Sol et Si. Par contre, pas le petit Mi, parce que sinon ça donnerait ça. Et on veut pas cette note aiguë. On va plutôt choper... On va essayer de choper les deux du milieu. D'accord ? Les deux Do d'affilée. Do majeur. Et ensuite, la corde Sol. Je chope le gros Mi, la corde de Ré, cette fois-ci Sol et Si. Voilà. Si vous vous débrouillez bien, le petit Mi est bloqué. Comme ça, même si vous débordez, c'est pas grave, on n'entend pas. Donc. Et ce Sol, on a deux mesures. C'était le B. Je vous le refais une fois en entier. Je suis content de vous retrouver, ça me fait plaisir, ça faisait deux semaines là, que j'étais bloqué avec les travaux, donc bah, c'est cool, j'espère que vous êtes contents aussi. Alors, c'est parti. Le B. Et... Wow. Et... Le Do majeur. Do mineur. Et le Sol. Et ensuite, il refait un B qui sera prime cette fois-ci, puisque la fin va changer pour nous permettre d'aller sur le C, évidemment. Donc, la partie B prime. Donc, ça commence pareil. Un peu en accéléré. Le Do, c'est pareil, Do majeur. Do mineur, c'est pareil. Et Sol majeur, une seule mesure. Qui restait sur Sol tout à l'heure va faire ça. Et on va arriver vers le Mi mineur. Donc les deux mesures de Sol. Il y en a une qui fait ça, comme tout à l'heure. Ensuite Sol, basse, Fa dièse. L'index descend deuxième case ici. Et on gratte les mêmes cordes à la main droite. Et on regratte la basse, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Vous refait le Sol majeur normal et le Sol basse Fa dièse d'affilée. Et ça, c'est ce qui fait donc le B'. Et après, on attaque le C. Donc, basse Fa dièse. Et on arrive en Mi mineur, partie C. Comment j'ai fait ça? Oui, donc, vous vous placez en Mi mineur à la main gauche. À la main droite, sur le Mi mineur, on va gratter. Je suis pas très juste là encore, décidément. Vous grattez le Mi à vide. De Ré. Pardon. Donc vous faites comme sur l'accord de Sol en fait. Vous grattez le Mi, le Ré et le Sol et le Si en même temps. Ensuite, donc ça c'est une mesure. Après une mesure de Si mineur, comme sur le Do mineur, on tape les cordes du milieu. Souvent, quand je réécoute les trucs après, je me dis putain, mais ça sonnait super faux, comment j'ai pas entendu. Non, normalement ça devrait le faire, je pense. Je vous refais une mesure de Mi mineur.
Si mineur. Après, on aura une mesure de Do majeur. Et une mesure de Sol, la mesure de transition, avec le Sol basse Fa dièse. Voilà, ça c'est le C complet. Ensuite, on reprendra ce C qui deviendra prime, avec une petite fin différente. Je vous refais le C une fois. Donc, on va dire que ça reprend là, sur la descente Sol, Sol basse Fa dièse. Donc. Mi mineur. C prime, mi mineur, le si mineur à nouveau, basse basse, le do, et ce coup-ci le ré majeur. Donc sur le ré, j'ai chopé ré à vide. En fait, c'était le ré qui n'était pas juste. Ensuite, la corde de sol et deux petites. Alors j'ai incrusté les partoches en même temps, hein, comme ça ça m'évite aussi de faire des allers-retours, je pense que c'est bon, hein, pour la main droite. Je remonte un petit peu la guitare quand même. Je vous refais une fois le C suivi du C', puis après on aura vu tout ce qu'il faut, rien, déjà qu'avec ça vous pourrez jouer le morceau en entier. Le C et le C'. Let's go avec la mini transition Sol, Sol basse Fa dièse. Si mineur, le Do majeur et le Sol, suivi du basse Fa dièse et one again, Mi mineur, C prime, Si mineur, le Do et le Ré. Voilà, donc au niveau de la structure, ça nous fait donc une intro, donc A, ensuite, je voulais incruster là, donc je fais les petits signes là comme ça, donc ça fait la partie A, B, B prime, C, C prime, et re-B. Et il reprend le A pendant deux mesures. Alors, moi j'ai repiqué ça du clip qu'il y a sur YouTube, là, dans lequel... À un moment donné, au milieu du morceau, il y a le mec là et la gonzesse qui sont en train de s'engueuler. C'est un peu pénible au bout d'un moment, on a envie d'écouter le morceau normal et on a cette espèce de truc chelou. Le départ prend déjà 1:30, là, on sait pas ce qui se passe dans les chants. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Une fois qu'on a fait A, B, B prime, C, C prime, B et re deux mesures de A, à ce moment-là, il refait deux mesures de A, mais avec l'électrique. Donc il y a une deuxième guitare, évidemment, qui le fait. Donc, allons-y pour la partie électrique. À la fin, je vous ferai toute la démo, hein, d'un bout à l'autre, comme ça. Donc, la partie A, qui recommence encore une fois le A. Deux mesures en électrique, que je n'ai pas pour le moment. Qui donc commence comme ça. Après, il refait un B, donc normal. Avec la saturation. Et là, il va balancer le gros son. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un accord de Do majeur. Alors, celui-là, il est un petit peu relou. On ne peut pas le faire en power chord parce que c'est un accord majeur qui devient mineur. Et dans le power chord, on n'a pas de tierce. Ça, l'embêtant. Donc, pour ce Do majeur, vous placez l'index en troisième case. Et vous vous débrouillez pour qu'avec l'annulaire, vous puissiez barrer 5, 5, 5. Des cordes de quoi ? De Ré, Sol et Si. D'accord ? Vous enlevez un petit peu le poids du doigt pour pas entendre le Mi. Sinon, c'est vraiment pas très joli. Donc il fait ça 8 fois. Alors également, le bout de l'index, vous bloquez la corde du gros Mi. Alors c'est ça qui est pas simple,
bloqué. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, c'est bloqué. Et ensuite, il devient Do mineur, comme on avait vu. Et puis, power chord de Sol. Le power chord de Sol, c'est le même principe, il y a des notes qui sortent, il y a des notes qui sortent pas. Vous faites 3, 5, 5, des trois cordes qui sont successives. Et si vous ouvrez trop la main comme ça, encore une fois, on va tout entendre. Si vous remontez un petit peu, l'index va rentrer en contact avec les trois dernières cordes et ça va les bloquer. Parce que ce qu'on veut entendre, c'est uniquement les trois sur lesquelles on appuie. Comme ça, on peut bourriner la main droite. D'accord ? Voilà. Alors, on repart. Tac, tac, tac. Là. Là, je remets ça bien. Et voilà. Donc, la partie B suivie de ça. En mode électrique. Sur chaque position, 8 coups en Do. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me semble, je crois, que sur le dernier coup, il fait un petit retour. 8, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Sur le sol, je suis pas sûr. Je crois qu'il reste que 8. Enfin, 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il fait quoi? Il reprend le B'. Il repart en mode bourrin. Alors là, au lieu d'avoir 16 croches en sol, il en fait 8, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. Sol, Re 4 en Sol, 1, 2, 3, 4 et Sol, basse, fa dièse. Pareil, au lieu d'être comme ça, il descend l'index d'une case pour avoir la petite descente de basse qu'on avait quand on faisait. Sauf qu'il le fait en mode bourrin. Donc, le B prime. 7, 8. D'accord. Ensuite, il va attaquer. Il attaque le Mi en power chord, pareil. Donc, c'est comme un Mi mineur, sauf qu'on veut entendre que le Mi grave, le La et la corde de Ré. Et il faut se débrouiller pour bloquer les trois dernières cordes. 8 fois en Mi comme ça. 6 power chords issus du Si mineur. Jamais c'est un petit peu relou à l'électrique, hein, vous faites si mineur, hein, tant pis pour les power chords, mais bon, ça file plus de patates, surtout avec l'électrique. Do, crac, juste une case à côté. 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord. Je vous refais le C, suivi du C'. Donc, le C précédé de la mesure d'avant, Sol, Sol, basse, fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here comes the rain again. Falling from the stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, 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 do. Mi, go, we are. 5, 6, 7, 8. J'ai décalé mon Do. En Ré power chord, index à la cinquième case. Voilà. Ah, je me suis un peu paumé dans la grille. Bref, le mieux, ce serait peut-être que je vous rejoue tout ça depuis le début. Je vous montre le solo, et puis ce sera fini. Voilà. Récapitulatif, depuis le début, 3, 4... Thank you.
chanson, truc comme ça. Je ne me souviens plus. Je crois qu'après, il refait l'intro deux fois. Enfin, deux mesures. Et il passe en électrique. Il reprend un B avec le chant. Il s'énerve. Wake me up when September. Commence un B prime. Et il se réénerve. Wake me up en ville when September ends. La descente de basse. C'était le C prime. Putain, c'est le bordel, ma fiche. Je suis bourré. Je suis navré. Donc, je vais vous montrer direct le solo. De toute façon, c'est pas très loin. Hein, mais c'était pas exactement comme j'aurais voulu le présenter, navré. Le mieux, c'est de le réécouter. Je pense qu'à l'oreille, vous saurez repérer les différentes parties maintenant. Alors, pour le solo, déjà, ça se joue comme ça. Vraiment pas dur. Ce passage de solo se fait quand on joue le mi mineur. Sol, basse, fa dièse. (3, 4, 5, 6, 7, 8). D'accord. Donc celui qui vous accompagne fait ça. Et vous, vous faites ça. Alors je me rapproche un petit peu. Concernant le son que j'ai à la guitare électrique là, je suis donc sur le canal overdrive. Pardon, ça tombe. Sur le canal overdrive, je suis sur le micro aigu de ma guitare. J'ai mis pas mal de médium et pas mal d'aigu aussi pour avoir un son bien tranchant. Voilà. Donc vous vous placez en 12e case de la corde de sol. Ma fameuse corde de sol qui n'est jamais juste. Décidément. Donc vous vous placez en 12 ici et en 12 de la corde de si avec ces deux doigts là. D'accord ? 12, 12. Ce qui donnerait au niveau des grattes grattes. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excusez-moi, j'ouvre ça. Allez, rentre. Là. Désolé. Re. Donc c'est la même découpe de main droite,
Sauf qu'au lieu d'être en 12-12, sur la deuxième mesure, je descends mon majeur en 11e case. Ok, encore une fois les deux premières mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, vous grimpez les deux doigts, yep, une case à droite, et vous faites le même principe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Ensuite, on se placera comme ça. Le majeur, il reste en 12. Et le petit doigt vient en 15 de la corde de si. On va le gratter 4 fois comme ça. On va gratter les deux, le sol et le si. 1, 2, 3. Oh là là, c'est pas joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 4 coups avec 12, 15. Et 4 coups avec 11, 15. Voilà, et vous savez jouer quasiment tout le solo. Je la refais et j'enchaîne. La toute première note, vous pouvez slider pour l'amener. Vous partez en gros d'où vous voulez, on s'en fiche un peu, pas trop loin non plus, mais... le but du jeu, c'est d'arriver bien en 12. Donc quand vous slidez, vous regardez pas le doigt qui bouge, vous regardez directement la note, la case d'arrivée. Parce que sinon, vous allez tomber à côté à tous les coups. Alors... Pardon, je vous montre bien le médiator. 11, 12, 13, 12, 15. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 12, 12, 12, 11. On grimpe. On retrouve encore une fois le 12-15, mais cette fois-ci, il le fait 8 fois d'affilée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, il fait 8 fois d'affilée 11-15. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Re 12-15, 8 fois. Et re 11-15, 8 fois. Et vous repartirez au truc du début. Alors, je vous refais le solo une dernière fois en vous incrustant tout ça, si ce n'est déjà fait. Let's go rock! Ce que vous pouvez faire pour les coups de médiator, la corde de si, prenez-la en retour, comme ça vous êtes pareil, comme tout à l'heure, armé pour réattaquer la corde d'après. Bref. Et c'est reparti au départ. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait un grand tour de l'histoire. À la fin du morceau, pour terminer, ils vont faire tourner en boucle Do, Do mineur, Sol. On va le faire tourner 3 fois de suite, c'est-à-dire When September. Et on recommence deuxième fois. Wake me up when September ends. Où est-ce que vous voulez la main droite, hein? Wake me up when September ends. Vous levez la main, vous faites des trucs comme ça, j'en remercie bien. Ça n'a rien à voir. Voilà, bon, j'ai un petit peu merdé, je crois, la structure, mais je pense que vous pourrez vous en sortir quand même. Bon, bah, j'ai été bien content de vous retrouver, ça me fait toujours plaisir en fait, parce que j'ai qu'une caméra devant moi, mais je sais que ça parle à plein de monde, c'est quand même un truc de fou. Donc je tiens à remercier tout le monde, parce que j'ai dépassé les 4 millions de vues quand même sur ma chaîne, presque 13 000 abonnés. Donc merci à vous, et pardon si j'arrive pas toujours à répondre à tout le monde, parce que là, il commence à y avoir vraiment un max de messages dans tous les coins. Donc voilà, m'en voulez pas, vraiment, je fais de mon mieux pour essayer d'être au taquet, mais c'est pas toujours évident. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, rendez-vous au prochain tuto, quoi. Allez, à bientôt, ciao.